Ils sont partis vers 8h de Bordeaux-Lac. 300 taxis et ambulanciers qui roulent au pas et bruyamment sur la rocade jusqu'au boulevard. Une opération escargot pour protester contre la réforme du financement du transport sanitaire. Ça concerne un article du Code de la Sécurité sociale qui va nous empêcher de transporter les malades dans de bonnes conditions. Selon ce fameux article 80, ce ne sont plus les patients qui choisissent leur transporteur et sont remboursés par la Sécurité sociale, mais les établissements de santé qui disposent d'un budget pour les financer. Et ce que craignent aujourd'hui ces petits professionnels du transport sanitaire, c'est que ce marché leur échappe. On craint la fin du taxi rural en général, qui ne pourra plus avoir accès au médical grâce aux appels d'offres qui seraient répondus par des gros financiers. Taxis comme ambulanciers, ils sont venus jusqu'à la préfecture faire part de leurs craintes et de leurs revendications. Qu'il n'y ait pas de deuxième volet à cet article 80 et qu'on puisse garder le maillage du département, éviter que les petites entreprises n'en pâtissent trop et puissent continuer à avoir une activité sereine. Vers midi, une délégation a été reçue à la préfecture en présence des représentants de la CPAM et de l'Agence régionale de santé.